recule un peu comme ça là. Bonsoir à tout le monde. Ceci est le communiqué de la diaspora résistante camerounaise en réponse à l'initiative d'un dialogue de Paul Biya. Alors, nous, forces de la diaspora résistante camerounaise, avons tenu une réunion extraordinaire le 11 septembre 2019 à Paris afin d'examiner l'annonce d'une ouverture d'un dialogue à caractère exclusif au Cameroun par M. Paul Biya. Nous tenons ici à rappeler que depuis le déclenchement de la crise dans la zone anglophone du Cameroun, la diaspora camerounaise n'a cessé d'inviter le régime de Yaoundé au dialogue inclusif et sans condition. Nous rappelons également que l'ouverture du dialogue inclusif est contenue dans l'ensemble de nos revendications, dont les plus récentes sont Paris le 18 mai 2019, Washington le 22 juin 2019, Genève le 29 juin 2019 et Bruxelles le 7 septembre 2019. Nous soulignons qu'en dépit de ces multiples appels, le régime dictatorial et génocidaire de Yaoundé a privilégié l'usage de la ruse et de la force, plongeant ainsi les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans un chaos total qui a déjà coûté la perte de près de 3000 vies et occasionné plus de 500 000 réfugiés et déplacés. Nous indiquons qu'en dépit des recommandations des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada et d'autres pays amis, Paul Biya a privilégié la démarche onéreuse de la guerre au détriment du développement humain du peuple meurtri du Cameroun. Par ailleurs, nous de la diaspora résistante tenons à souligner qu'à la crise anglophone est venue se greffer une grave crise politique à la suite au hold-up électoral perpétré par M. Biya à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans cet ordre d'idées, le président Maurice Kamto, maître Michel Ndoki, Messieurs Christian Penda Ekoka, Paul-Éric Kingé, Serval Abbé, Albert Nzonga, Célestin Djamen et 114 militants du MRC sont toujours détenus dans les prisons de Yaoundé à la suite des marches pacifiques du 26 janvier 2019, du 1er juin 2019 et du 8 juin 2019. De nombreux prisonniers politiques, à l'instar du premier vice-président, du MRC Mamadou Mouta ont subi des tortures d'une rare violence et des violations systématiques de leurs droits. Le président Maurice Kamto, les membres de sa coalition et 114 militants du MRC sont actuellement jugés devant un tribunal militaire, ceci en violation flagrante des lois et conventions internationales. Les leaders de la cause anglophone, à l'instar de M. Sissiku Ayok Tabe et autres, ont été condamnés par cette même juridiction à des peines infamantes. Compte tenu de ce qui précède, nous de la diaspora camerounaise annonçons officiellement que dans les conditions actuelles,
Nous ne pouvons être associés à un dialogue initié par Paul Biya sans que les conditions préalables ne soient remplies, à savoir la libération de tous les prisonniers politiques arrêtés et détenus dans le cadre de la crise anglophone sans exception, la libération de tous les prisonniers politiques détenus dans le cadre des marches blanches du 26 janvier 2019, du 1er juin 2019 et du 8 juin 2019, la création d'un cadre de concertation préalable constitué de toutes les parties prenantes dans lequel une feuille de route consensuelle devant guider les débats sera élaborée. La mise sur pied d'une commission constituée d'experts indépendants en charge du suivi des travaux. Nous, de la diaspora résistante camerounaise, soumettons donc notre participation à tout dialogue à la satisfaction de ces exigences minimales. Par conséquent, rejetons en l'état toute offre de dialogue du dictateur génocidaire Biya, annonçant l'intensification du boycott des séjours de Paul Biya et ses émissaires à l'étranger, recommandant vivement au régime camerounais de ne pas envisager un séjour de Paul Biya à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies à New York, appelons les Camerounais du Cameroun et de la diaspora à rester mobilisés dans la perspective d'une intensification de la lutte pour la libération du Cameroun du joug de cette dictature violente. Vive le Cameroun, la lutte continue.